On va essayer de nommer cette première molécule ici en haut à gauche que j'ai dessinée. Donc pour commencer, on va compter le nombre de carbone qu'on va avoir dans la chaîne. Donc on a 1, 2, 3, 4 carbones. Donc si on a 4 carbones, ça veut dire que quelque part dans le nom de la molécule, on va avoir le terme but, pour signifier qu'on a une chaîne de 4 carbones. La fonction principale de cette molécule ici, c'est la présence de cette double liaison. Donc on a affaire à un alcène, donc on va terminer le nom de la molécule par N, pour signifier qu'on a un alcène. Et pour préciser la position de la double liaison dans cette chaîne, on voit qu'on est entre le carbone 2 et le carbone 3, donc on a affaire au but 2N. Donc un petit tiret, 2, un petit tiret, N. Si je m'intéresse maintenant à la molécule à droite ici, de la même manière, je vais commencer par compter le nombre de carbones. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 carbones, donc une chaîne avec 4 carbones, donc je vais également avoir le terme but pour signifier qu'on a 4 carbones. Au niveau de la fonction principale, également, j'ai une double liaison carbone-carbone entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc j'ai un alcène, je vais terminer le nom de la molécule par N. Et pour préciser la position de cette double liaison, je note donc que j'ai cette double liaison qui commence sur le carbone 2. Elle est entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc j'ai donc le but 2N. Ces deux molécules portent donc a priori le même nom. Or, elles sont différentes. Il s'agit ici d'isomères. En effet, on n'a pas de libre rotation autour d'une double liaison carbone-carbone. Et je ne peux pas passer de cette configuration ici à cette configuration ici. Il s'agit bien de deux isomères, de deux molécules différentes. Et pour pouvoir les différencier, on peut utiliser la terminologie cis-trans. Donc, ce qu'on voit, lorsque je regarde cette première molécule à gauche ici, si je mets des pointillés ici au niveau de la double liaison, je vois que les deux substituants des deux carbones, les deux groupes méthyl ici, ce groupe méthyl et ce groupe méthyl, ils sont du même côté. Et dans ce cas, je dis que je vais avoir l'isomère 6. Donc il faut écrire en italique le terme 6 devant. Alors, l'italique, ça ne va pas être facile pour moi, voilà. Donc il s'agit du 6-but2N. Celle-ci à droite, de la même manière, si je fais des pointillés ici au niveau de la double liaison, je vois que cette fois-ci, les deux groupes méthyl, qui sont les substituants des deux carbones qui portent la double liaison, sont opposés l'un de l'autre par rapport à la double liaison. Ils sont sur deux côtés opposés. Dans ce cas-là, on dit qu'on a l'isomère trans. Donc là, j'ai le trans-but2N. On va voir un autre exemple. Donc sur les deux molécules que j'ai ici, alors là, à la chaîne carbonée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc je vais avoir un X. J'ai un alcène puisque j'ai une double liaison carbone-carbone ici, donc la terminologie N également. Cette double liaison est entre le carbone 3 et le carbone 4, donc j'ai le X3N. Et dans le cas de cette molécule à gauche ici, si je fais des pointillés ici pour séparer en deux parties autour de la double liaison, je vois que les deux substituants groupe éthyle qu'on a ici sur le carbone 3 et sur le carbone 4 sont du même côté de la double liaison, et c'est donc dans ce cas-là le 6 X3N. Et si je regarde la molécule à droite, de la même manière, j'ai également un X3N, puisque j'ai également une chaîne avec 6 carbones, et que j'ai une de nos doubles liaisons sur le carbone 3. Et cette fois-ci, en faisant les pointillés autour de la double liaison, je vois que mes deux groupes éthyles, qui sont substituants des carbones 3 et des carbones 4, sont opposés l'un de l'autre, sont sur des côtés opposés par rapport à ces pointillés que j'ai dessinés au niveau de la double liaison, et dans ce cas-là, on dit que j'ai l'isomère trans. Donc j'ai le trans X3N. Alors, pour utiliser cette terminologie cis-trans, il faut que, au niveau de l'alcène, on ait un même substituant sur chacun des carbones qui portent la double liaison carbone-carbone. Donc là, par exemple, dans le cas du but de N, on avait un méthyl sur le carbone 2 et sur le carbone 3, et dans le cas du X3N, on avait un groupe éthyle sur le carbone 3 et un groupe éthyle sur le carbone 4. Donc pour pouvoir utiliser cette terminologie cis-trans, en ce qui concerne les alcènes, il est nécessaire d'avoir deux substituants identiques sur chacun des deux carbones qui portent la double liaison. Donc on va voir deux autres exemples pour illustrer notamment ce que je viens de dire. Donc ici à gauche, on a l'aldéhyde cinamique. Donc l'aldéhyde cinamique, on voit qu'on a une double liaison ici. Et si je mets mes petits pointillés au niveau de cette double liaison et que je regarde les positions des substituants par rapport à cette double liaison, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on ait deux groupes identiques sur chacun des deux carbones autour de la double liaison. Ici, en l'occurrence,
les deux groupes identiques qu'on a, c'est les hydrogènes. Donc on a un hydrogène sur ce carbone et un hydrogène sur l'autre carbone. Et si on regarde leur position par rapport à la ligne en pointillé que j'ai dessinée, on voit qu'ils sont sur des côtés opposés par rapport à cette ligne, et donc qu'on a une configuration trans pour cette alcène. Dans le cas de cette alcène trisubstituée ici, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir utiliser la terminologie cis-trans pour les conformations d'un alcène, il faut qu'on ait deux substituants identiques sur chacun des deux carbones qui portent la double liaison. Et ici, dans le cas de cette molécule, les deux substituants identiques, ce sont les deux groupes éthyles. Ici, je dessine mes petits pointillés ici. Je vois que ces deux substituants éthyles sont du même côté de la double liaison. Et on a donc ici un isomère cis. Et enfin, on va regarder cette molécule ici. Et là, on voit qu'on a un alcène trisubstitué avec deux substituants identiques, mais qui sont portés par le même carbone. On a deux groupes méthyle ici, un groupe éthyle ici, et les deux groupes méthyle sont portés par le même carbone. Dans ce cas, je ne peux pas utiliser la terminologie cis-trans pour cette molécule ici. Et si je compare cette molécule à celle de droite, on pourrait croire à première vue qu'il s'agit d'un stéréoisomère. Mais si on retourne cette molécule ici, on obtient celle-ci. Donc en fait, ces deux molécules sont complètement identiques. Donc bien retenir qu'on peut utiliser cette terminologie cis-trans pour définir la configuration d'un alcène, à condition qu'on ait sur chacun des deux carbones autour de la double liaison un substituant identique.